بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تغاديب الله سبحانه وتعالى نوالا في بنديكشن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في جنود قرآن سورة آل عمران précisément verset 50 إن الدين عند الله الإسلام كي دين كي acceptable auprès d'Allah c'est l'islam. Le mot din, frères en islam et sœurs en islam, c'est façon vive. Le mot din, contrairement à sa mot très opaque qu'appelle religion, religion aujourd'hui, avec frottement avec les autres cultures, on a tendance pour prendre le mot religion en quelque chose qui est purement spirituel, qui trouve dans un lieu de culte. Alors, le mot approprié, c'est din, la façon de vivre, façon qu'un musulman bien vive l'eau, la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si l'on comprend que din veut dire la façon de vivre, qui veut dire, ça verset là, peut dire nous, façon de vivre, qui est acceptable auprès d'Allah, c'est l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est la soumission. Ça veut dire que quelqu'un qui soumet à Allah. Soumet à Allah veut dire, ce qu'il dit à nous faire, nous faire. Ce qu'il dit à nous abstenir, nous abstenir. Ça, quelqu'un de soumis. Alors, c'est un dimon, il soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah fait dire à lui. Allah Jalli fait salat, il fait. Allah Jalli donne zakat, il fait zakat, il donne. Allah Jalli garde roza Ramadan, il garde roza Ramadan. Allah Jalli fait hajj, il a le moyen, il fait hajj. Ça, c'est quelqu'un qui vient soumis dans l'application de ban commandement. De l'autre côté, parallèlement, Allah subhanahu wa ta'ala Jalli reste loin avec l'alcool, l'abstenir. Allah subhanahu wa ta'ala Jalli reste loin avec l'adultère, il reste loin. Allah subhanahu wa ta'ala Jali pas fait l'injustice, il pas fait l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala Jali pas fait ban quelque chose qui est illicite, pas mange ban quelque chose qui est haram, pas mange ban quelque chose qui est haram. C'est quelqu'un qui fait soumis à Allah de rester loin avec ban défendu. Donc la façon de vivre qui est acceptable auprès d'Allah, c'est quelqu'un qui peut obéir à Allah dans quelque chose que Allah fait Jali faire, et il peut obéir à Allah dans abstenir depuis ban quelque chose qui Allah fait d'aller abstenir. C'est ça le message de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
C'est ça qu'aujourd'hui on appelle religion. Sauf que la soumission que Allah subhanahu wa ta'ala fin impose l'on nous, l'y pas trouve seulement dans masjid. L'islam l'y pas trouve seulement dans masjid. L'islam l'y trouve dans masjid. L'y trouve dans tout lieu, dans nos cases, dans nos travail, dans banlieue publique, nous dans avion, nous dans bateau, nous à l'intérieur, nous à l'extérieur, n'importe quoi de ça, l'islam l'y prévaloit. Qui veut dire un musulman, les musulmans toujours soumis dans n'importe quel lieu. Il n'est pas un vrai musulman s'il dit qu'il y a certaines exceptions, mais là-bas, il n'est pas capable de soumis à Allah. Qui veut dire qu'il n'est pas un vrai musulman. Un vrai musulman en tout lieu, c'est que l'islam est une priorité dans sa vie. Lui dans le parlement, lui dans Solakaz, lui dans Masjid, lui dans n'importe quoi de ça, aussi longtemps il y a la liberté pour pratiquer sa religion, alors il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam applicable dans toutes circonstances. Qui veut dire un djimoun, lit dans la joie, lit dans la gaieté, ou bien lit dans un moment de tristesse, ou bien lit dans un moment de panique, lit angoissé, ou bien lit dans une situation de pauvreté, ou bien lit riche, ou bien lit en bonne santé, ou bien lit malade. Dans n'importe quelle circonstance, lit bizin, son mode de vie, sa façon qu'il peut vivre, il a besoin d'après la soumission à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait montrer nous comment nous vivre quand nous chagrins, comment nous vivre quand nous contents, comment nous vivre quand nous puissants ou bien quand nous faibles, quand nous riches ou bien quand nous pauvres, quand nous en bonne santé ou bien quand nous malades. Dans toutes circonstances, Allah fait enseigner nous. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait enseigner nous, frères en islam et sœurs en islam, à travers sa deux guidances. Nous, musulmans, nous avons deux sources de guidance. Nous prenons une troisième source de guidance. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fin dit, « Taraktukum, mou fin quitte parmi eux, ma intamassaktum bihima, falan tadillu ba'di abada. » Mou fin quitte parmi eux, deux petites choses. Jamais vous ne pouvez garer si vous tenez ferme avec ça deux petites choses. Si vous tenez ferme, ce n'est pas seulement trapli dans le sens littéral. Je veux dire, on ne trappe courant ferme. Ou bien on va prendre l'imam Kosserik Molekir qui veut dire là mon petit dit Coran. Non. Ce n'est pas ça l'intention de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Signifier avec Coran, c'est applique à la lettre recommandation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Nous applique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dire. Ça veut dire signifier avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Signifier avec l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire, moi applique à la lettre ce qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit à moi, d'en faire quelque chose qu'il fin dit, d'abstenir avec quelque chose qu'il fin dit à moi abstenir. Ça, c'est le vrai musulman. C'est ça, du monde qui garantit guidance. Celui qui en vit, reste dans la guidance. Celui qui en vit, il est un vrai musulman devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que devant Allah subhanahu wa ta'ala, frère en islam, pour une multitude de bénéficiations. Et n'a pour venir. Les fins pratiquent une religion de ses grands-parents. Et là pour venir, les fins pratiquent une religion qui fin révélée de son prophète. Et là pour venir, pour pratiquer une religion par circonstance. Et là pour venir, les fins pratiquent une religion passionnelle, d'après sa passion. Et là toutes sortes de versions devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, un hadith qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis montrez-nous qu'il y a trois types de mentalité dans la religion. Un djimoun qui vit et qui pratique l'enseignement divin à la lettre. Un djimoun qui pratique sa passion prévaloir. Et un djimoun, son ignorance prévaloir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'en trois juges, il y a trois juges, trois types de juges qui font jugement. Deux là-dedans méritent l'enfer. Et un, il parle d'un paradis. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit, celui qui mérite paradis, c'est celui qui fin laisse son verdict guidé par l'enseignement de l'islam. Il y a pour un jugement dans, en Dejimun, ou bien loin de la loi, ou bien loin d'item. Alors, il laisse guidé par ce qu'Allah fin mentionné dans le Coran, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné dans le hadith. Ça, Dejimun, il parle de Jannat. Par contre, de l'autre catégorie du monde, qui lui parle de l'enfer, quand il a envie de faire jugement
les laisse guider par sa passion. Les laisse guider par sa passion. Passion, c'est quoi? C'est l'envie. L'envie l'argent, l'envie l'honneur, l'envie pouvoir, l'envie certaine l'avantage. Les filles laissent ça influencer ce jugement. Et ça, frère en islam, personne ne peut s'appeler avec une situation pareille, sauf s'il demande protection avec Allah. Les tellement, veut dire un humain tellement vulnérable, avec toute sa tentation d'unia, avec l'argent, avec pouvoir, avec beaucoup de choses matérielles, qu'un djimoun, si Allah ne protège lui, définitivement, il est capable d'une victime. Alors ça, djimoun, qui laisse-lui faire un jugement, laisse-lui guider par sa passion, lui mérite l'enfer. Et troisième du monde, celui qui laisse l'ignorance prévaloir l'eau sa deux sources divines. Peine une troisième source. Plus grand danger pour l'islam et pour le musulman quand l'ignorance domine la révélation. Quand on nous fait l'ignorance prévaloir, nous pratiquons quelque chose sans connaissance, nous causons sans connaissance, nous prêchons sans connaissance, nous vivons en l'islam, nous ne connaissons pas ce qui nous peut faire, elle est bon ou bien elle n'est pas bon. Nous la joie, est-ce qu'il nous ne pas connaître, est-ce qu'il est cadré avec l'enseignement ou bien non. Nous, désespoir, nous chagrin, est-ce qu'il est dans la limite qui permet dans l'islam ou bien non. Si un dimon n'est pas connu, qui veut dire qu'il peut être guidé par l'ignorance et d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il mérite l'enfer. Frères en islam et sœurs en islam, le mois de Muharram est un événement qui finit associé avec beaucoup de bannes, qui choses qui n'ont rien à faire avec Dîn Allah. Cet événement de Muharram, nous avons deux événements principaux, c'est un événement spirituel et un événement historique. Un événement spirituel, c'est mérite de sa moi, son valet auprès d'Allah, bonne récompense qui gagne dans sa moi. Si nous pratiquons l'ibadat. Et spécifiquement, ce jour qu'on appelle Ashura, ce valet. Et aussi, frères en islam, nous avons une deuxième catégorie événement historique, c'est l'assassinat de Hussein, radiallahu anhu, qui finit à lieu dans le mois de Muharram, le 10. Ces deux événements, frères en islam et sœurs en islam, Inch'Allah, si on en vit, qu'on les détaille, ou met en présence, Salat Isha, Masjid Nour Islam, Inch'Allah pour un exposé, l'eau a deux grands items, l'aspect spirituel de sa moi et l'aspect historique de sa moi. Mais le problème qui nous peut causer aujourd'hui dans ces quelques minutes, c'est quand ces deux événements finissent associés avec Bankitsos qui base leur passion et l'ignorance. Quand Njimun finit cet événement historique en particulier associé avec la passion, veut dire, les laisse sa passion, guide-lui comment les bisous comportent-lui dans un moment pareil. Les laisse l'ignorance prévaloir, les peut pratiquer même une action, mais les papes capable justifier lui par ni Coran ni Sunna. Alors, ça, c'est une chose qui est très dangereuse dans la vie d'un musulman et pour dire d'Allah. Parce que dire Allah subhanahu wa ta'ala, frère en islam, c'est un dîne qui est parfait, mais par arriver un moment, les pour, comment nous dire, dans anglais, distorted, veut dire l'époux fini, perdu sa forme. L'islam, au fur et à mesure qu'un djimoun, l'associé lié avec l'ignorance, l'associé lié avec la passion, il commence perdu sa forme. Et le danger, frère en islam, peut-être un djimoun qui est capable, l'arrogance prend lui, dire ok, moi, je prends mes responsabilités. Le problème, il paraît seulement avec la personne qui peut pratiquer l'islam sans l'ignorance. Le problème n'est pas seulement avec la personne qui peut servir sa passion dans la religion. Le problème qui aujourd'hui, frère en islam, sa dîne qui t'y attirant, sa dîne qui seulement quand get un musulman, dit mon tu peux retourner vers Allah. Et nous tout connaît, pas seulement dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais dans toute l'époque, ben dit mon tu peux prendre notre repère, la vérité et fausseté d'un comportement du musulman. Mais l'inverse qui peut arriver de jour en jour, par l'ignorance prévaloir la religion. Quand l'ignorance peut prévaloir, Dimoun peut pratiquer toutes sortes de qualités, toutes choses qui n'ont pas existé dans la religion. Quand la passion fin domine la religion, qui Timama lui dit ça halal parce qu'il y a sur l'avantage. Timama lui dit ça n'a pas gagné droit parce qu'il y a sur l'avantage. Timama, la religion est comme ça, Timama, la religion comme ça parce qu'il peut bénéficier du côté matériel.
Alors qu'arrivé, l'islam lui perdit sa beauté, lui perdit son éclat. Et le danger, c'est quoi? Au lieu l'islam, il y a quelque chose qui attire les non-musulmans. Parce que pas oublier, frère, en islam, c'est une pays qui nous représente 1,5 million de musulmans. Ça qui nous pas peut dire, qui nous besoin dire, qu'il y en a 7 millions de non-musulmans qui peuvent attendre devant la porte pour y rentrer dans le dîner d'Allah. C'est ça, mission Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. C'est une bénédiction pour l'humanité. Pas pour juste pour moi, comme mon vie de pour vous. C'est une bénédiction pour sa chrétien. C'est une bénédiction pour sa juif. C'est une bénédiction pour sa hindou et pour les autres religions. Mais comment, frère, en islam, faudrait qu'il nous donne l'opportunité pour trouver le vrai visage de l'islam, pour trouver sa beauté de l'islam. C'est la façon de faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait sirah. Et surtout, frère en islam, il y a un autre programme qui est dans sa optique pour mettre en valeur la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être vous trouvez une annonce qui est là, un item, veut dire comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait vivre la religion. Après le traité du Hudaybiyah, Khalid bin Walid, l'ennemi acharné du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il fait vivre musulman? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait discuter dîner avec lui? Est-ce qu'il fait faire argument contre argument? Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait signer un traité qui personne ne comprend la logique derrière sa traité. Alors il y a un échange entre ces deux peuples, entre ces deux cultures, entre l'islam et les musulmans et les païens et l'idolâtrie, les mouchriquins. Alors ça échange, Khalid ibn Walid radiallahu anhu fait observer les musulmans et les fins de musulmans. La même chose avec beaucoup de bédouins. Comportement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous pouvez lire sirah, frère en islam, quand vous pouvez lire la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez al-roder combien de moments finena confrontation intellectuelle. Combien de fois finena débat entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres. Bien tigit. Mais comment tout ça dit mon fin de vie musulman? C'est pas expose, pas fait, trouve la beauté de l'islam. Quand on dit bon, il trouve ça, cette fine, ça fine rentre dans cette légère parce qu'il est instinctif, ça. Il est instinctif, ça. Il donne nous l'instinct, ça. Nous connaît quelque chose qui est bon, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui n'a pas du bien là-dedans, quelque chose qui me paie n'a pas du bien là-dedans. Alors Khalid bin Walid et beaucoup de bédouins, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit généré envers les bédouins finit aller à travers l'Arabie, finit dire rentre dans l'islam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une personne qui n'a pas payé la pauvreté. Quand Dieu rentre dans l'islam parce que le prophète s'est convaincu moi par tel ayat, non. Par son action. Alors aujourd'hui, frère, en islam, le danger qui nous peut faire face, nous musulmans, nous subir les conséquences, c'est que l'islam qui est projeté parmi Banjimoun dans l'Occident, c'est le musulman même qui projette ça. C'est le musulman même qui peut projeter un islam qui est falsifié, qui est violent, qui n'a aucune logique, n'a aucun sens. Et ça, l'islam là, comment les filles viennent comme ça? Basant l'ignorance, basant la passion. Alors le musulman, frère en islam et soeur en islam, il a besoin on apprendre ou pas apprendre, on assiste au banc l'université ou pas assiste au banc l'université, c'est le fondamental ça. Ou bien connaît qui ou dîne, c'est Coran et sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pena non, il n'y a pas de ça. Nous dîne, ça qu'il y a dans Coran. S'il n'y pas trouve dans le Coran, il trouve dans la sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y pas trouve dans la sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas capable de dire. Ça même qui dit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, atui'u Allah wa atui'u Rasul. O banjimun kena iman, obéyez Allah et obéyez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, fa'in tanaza'tum fi shay'in, farudduhu ila Allah wa Rasul. Si arrivé, nous faisons une divergence, l'un issue, l'un question de religion, l'un pratique, l'un comportement, l'un pensée, alors nous prenons ça, divergence qui est entre nous, nous pas la guerre, nous pas faire problème. C'est très simple, les sahaba finissent agir comme ça, et ça c'est une inspiration qui nous faisait prendre de sa bande du monde, de sa bande élite. Quand nous divergeons, nous pas faire ça, c'est très simple. Le chemin c'est « Rudduhu ila Allah wa Rasul ». Retourne-le vers sa Coran. Retourne-le vers Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as raison, mon frère, ben nous besoin suivre pareil. Si moi, j'ai raison, ça qui m'en fait,
Parce que l'islam peut dire ça, le Coran peut dire ça, le sunna peut dire ça, alors nous pratiquons, nous pas si prenons un problème. Parce que beaucoup de monde ne croit qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de divergences. Il y a beaucoup de divergences, même parmi les sahaba, beaucoup de problèmes. Khalid bin Walid, Ali bin Abi Talib, Muawiya radiallahu anhu, Hassan, Hussein, Abdullah bin Zubair, beaucoup, Aisha radiallahu anha, peut-être beaucoup de monde capable étonné qu'il fait un conflit militaire entre Aisha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ali bin Abi Talib, le calife. Fin un conflit entre Ali bin Abi Talib et Muawiya radiallahu anhu. Fin un conflit entre Hassan ibn Ali, le fils de Ali, et Muawiya. Fin un conflit dans toute façon. Fin un conflit entre, malentendu entre Fatima radiallahu anhu, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui beaucoup ban ulama dit elle meilleure madame dans paradis. Dépasse et ban ulama dit plus supérieure que Khadija qui même Mariam. Conflit entre, malentendu entre Fatima radiallahu anha et Abu Bakr radiallahu anha. Conflit entre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt, et aussi avec les autres sahaba. Fini un conflit. Mais seulement qui fait, à la fin, je tourne retourne comme ban frère. Ce conflit-là fin durer un jour, fin durer une semaine, fin durer quelques semaines, mais seulement à la fin, dans tous les sens. Qui la fin succès pour ban qui n'a taqwa. Écoute, là, le problème, le conflit malentendu qui fait d'un entre Fatima radiallahu anha, Ahlul Bayt et Abu Bakr radiallahu anha. Pour nous capables, frères en islam, tiens une leçon. Comment nous comportons-nous devant ban divergence? Comment nous comportons-nous comme on pratique en islam? Un dimon diamant, tu connais ça qui te peut faire là? Pas bon ça. Ça qui m'a fait là, pas islam ça. Façon qui m'a exprimé mon chagrin, c'est pas comme ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit à moi. Alors, avant qu'il m'a la guerre, avant qu'il m'a sorti en déo, cadre, avant qu'il m'a blessé un djimoun ce sentiment, m'a servi la langue pour faire mon même premier dito avec ça la langue. Alors, guette un coup, comportement qui finit là, pour nous inspirer nous, parce qu'Allah finit à nous, inspirer nous devant les sahaba. Alors, Fatima radiallahu anha, Livin Kot Abu Bakr radiallahu anha, le premier calife de l'islam. Fatima radiallahu anha, c'est un démon qui est très séclusive, qui n'est pas trop védié dans la société, qui reste sur la case. Mais, l'une malade, après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tellement malade, dans ce moment, veut dire malade, elle fait une dérangée, elle fait une vinguette, Abu Bakr radiallahu anha, le calife, tape la porte, il rentre, avec toute humilité, avec tout respect, elle fait une demande l'héritage de ce papa. Il demande l'héritage de ce papa. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme on nous connaît, sur la paye, c'est Allah qui fait. Parce que sa responsabilité est énorme. Si Allah subhanahu wa ta'ala te donne une responsabilité pour aller plus sur la terre, tu peux aller. Mais sa responsabilité est énorme. Mais il y a une famille, il y en a 12, il y en a 11 madames, il y en a des enfants. Alors comment les nourrir à travers le butin? Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce port. Sur la paye à travers le port du butin. Et une de mes dernières richesses qu'il finit de gagner à travers une expédition militaire, c'est une grande plantation. Dans Al-Khaybar, dans, veut dire, la ville de Khaybar, dernier bastion des bandes juifs. Après cette expulsion de Medina, de finale, établie à Khaybar. Et là-bas, ils commencent à comploter pour venir faire dito aux bandes musulmans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam amène la guerre vers eux. Pendant temps, ils viennent. Mais là-bas, quand ils finissent, suit une défaite extraordinaire et humiliante. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que les bandes juifs sont connus, jusqu'à aujourd'hui, connus pour les bandes plus riches dans le monde. Pas l'intelligence, ou je sais pas, malhonnêteté, les deux. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit récupérer un grand parti butin qui coûte beaucoup d'argent. Fatima radiallahu anha finit venir, finit taper la porte, finit dire « Oh Amir al-Mu'minin, oh Khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, mon demande, mon réclame l'héritage de mon papa. » Abu Bakr radiallahu anha, avec tout respect, finit dire « Peine à l'héritage pour toi. Peine à l'héritage pour toi. » Si tu es émotionné, Fatima radiallahu anha, les pas n'attend encore. Il est tellement émotionné, une madame, fragile, sensible. Alors, il finit ouvert la porte, il allait vite, il précipité. En sanglots, commence à pleurer. Il allait sur la case, commence à dire malade, son malade, il a empiré. À tel point que, Hadith Bukhari, pendant 4 mois,
Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu fin bizarre reste à ce côté parce qu'il n'est pas qu'il est le capé mot. C'est tant qu'il est infecté avec deux chocs. Un, la mort de son papa. Deuxième, le refus de Abu Bakr pour donner lui l'héritage. En fait, ce n'est pas l'argent là qui est important pour lui, c'est souvenir de son papa. Alors, il est affecté par ça, malade continuellement. Pendant 4 mois, Ali ibn Abi Talib isole lui depuis. Jamat, il reste dans son clan, entre son famille, entre son enfants. Jamat, tu peux faire là-bas. Chacun veut dire, tu peux veut dire entre la famille de Al-Bayt, qui est une grande famille, qui est une grande tribu. Alors, ça fait comment continuer pendant 4 mois jusqu'à la mort de Fatima, radiallahu anha. Qui veut dire, finit un problème entre Ban Sahaba, finit un malentendu entre Ban Sahaba. Ban Ahl-Bayt peut penser que Abu Bakr, radiallahu anha, fin mal agir parce que Tibizet donne l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr peut trouver Ban là, peut contredire le principe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort de Fatima radiallahu anha, alors là, ban musulman, il n'est plus capable de tenir ça, qui veut dire conflit interne entre ban musulman. Je fin demande la famille de Ahlul Bayt et le calife pour trouver une solution dans ce conflit. Alors comment fin trouver une solution? Comment ban djimoun bien élevé? Comment ban djimoun éduqué? Comment djimoun qui a une conscience? Qui l'objectif, c'est pas mobiliser sorti supérieur au toi. L'objectif, ce n'est pas Mobizan, montre-toi tout petit, moins plus grand. Ce n'est pas ça l'objectif du musulman à l'époque. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son sahaba, Abu Bakr radiallahu anhu, à côté, il se conseillait, Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab dit, fini, mettre un zoo, une réunion, une agence entre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr, Omar dit, moi, viens à toi, Abu Bakr. Abu Bakr dit non, toi tu pas venir parce que tension, toi le cause, une cause qui empire la situation. Parce que Omar, tu connais pour son caractère un peu trempé, pécho. Alors, là, Abu Bakr dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire maintenant rien, parce que c'est mon frère, ça. C'est pour ça que la même chose, raisonnement, ben Sahaba qui est en conflit. Quand ben Jimoun, il y a beaucoup de Jimoun, quand des Jimoun qui ont un problème, je viens amplifier le problème. Pareil, comment je te fais une ban djimoun fin vin contre Ali, dit Ali, mais Mouawiya peut faire rire envers toi. Qui te pense le Mouawiya? Dit Ali radiallahu anhu. Alors que Ali radiallahu anhu a raison. Mais Mouawiya pas tient tellement tôt. Les deux, tu es dans deux sens différents. Mais qui parole qui fin saute dans la bouche? Ali radiallahu anhu. Les dit, Ikhwanuna, c'est nous, ban frères, barou alayna, qui fin exagérer l'onu. Nous, ban frères, sa lien de fraternité, sa lien de iman, il n'est pas capable de casser dans n'importe qui éventualité aussi longtemps qu'il y a iman de côté. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous ça. Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu. Quand deux groupes de croyants finissent un conflit entre eux, deux croyants, Allah subhanahu wa ta'ala considère deux groupes qui n'ont conflit, malgré qu'ils finissent une bataille, je te croyant, il ne faudrait pas nous casser ça lien de iman. Alors, Abu Bakr, radiallahu anhu, final, côté Ahlul Bayt, dans cet endroit, vraiment, situation est assez tense. Ali, radiallahu anhu, à ce côté, ce dégâceau, Hassan Hussein, et les autres ban Ahlul Bayt, Abu Bakr tout seul, le calife, rentré assisé. Ali ibn Abi Talib ouvert, veut dire, discussion, il dit, oh Amir, tu as mal agi avec nous. Oh Ali, oh Amir, oh calife du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu as mal agi avec nous. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, pas pour rien qu'il est le premier calife, pas pour rien que lui-même, veut dire, l'associé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, yaqulu sahibuhu la tahzan, inna Allah ma'ana. Allah subhanahu wa ta'ala peut considérer Abu Bakr comme le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même qui s'y remplace en légitime dans le salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas comme ça, même ça. Alors Abu Bakr radiallahu anhu commence explication. Il dit, mon frère Sermal au Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'amour qui m'a pour zot, li plus qui l'amour qui m'a pour motiver Aisha radiallahu anha. Écoute, réaction en sahaba qui guidait pas Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Ahl Bayt c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça qu'au salat on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad.
Comme sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nos relations avec Ahl al-Bayt sont sacrées, mais les besoins cadrés avec Quran, avec Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui Abu Bakr peut expliquer zot. Mon relation avec zot les plus intenses, les plus propres, les plus pures et n'applique beaucoup l'amour entre moi et zot qui l'amour qui m'en a pour motiver. Mais les besoins cadrés. Les dit Abu Bakr radiallahu anhu, mais seulement salamou là, les pas pour amener moi pour contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoute ça l'équilibre, écoute sa science, écoute sa maturité qui est née dans Abu Bakr. Mon compte en zot, Abu Bakr peut pleurer là, l'homme peut couler. Les dit ça constitue mon compte en zot là, mais seulement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant zot. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Abu Bakr Ali peut écouter. Les pirates comprennent, mais qui fait? Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passe avant Ahl al-Bayt? Qui nous le fait? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous, ma'ashara al-anbiya, nous, ban prophète, nous, l'héritage, les pavines pour nous, ban héritier, ma taraknahu sadaqa, ça qui nous quitte, les vins dans Baytul Malul Muslimin. Ça, c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À Ali radiallahu an, Hassan Hussein, comment fin réagir alors que là finena un problème qui pas un héritage. Ali Abu Bakr peut dire non, mais plus content Rasulullah sallam qui zot qui raison. Voilà hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu an dit comme ça, tu en as raison Abu Bakr, je te lève, je te fais la collade et je te retourne dans masjid parmi ban sahaba et là ça. Sa conflit fin résoudre à travers quoi? À travers sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le musulman frère en islam, dans toute situation nous capables et n'a pas de différence. Nous capables et n'a pas de façon de faire qui est différent. Nous capables et n'a pas de croyance différent. Mais nous connaissons que dans le Coran et dans le sunna un seul enseignement. Nous nous disons qu'on verge nous pas de différence vers sa Coran et sunna. Et ce que Allah dit, et ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est ça le verdict qu'il y a un musulman, les besoins choisir. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin, un croyant et une croyante, Allah peut dire, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, quand Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit, un lord, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, les pas supposés, et n'a un choix dans ce décision. Les besoins suivent ce qu'Allah fin dit, suivent ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, wa sallillahum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى بجانو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أبي الله أبنج منكن إيمان أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كانوا جيفيزي دان يبوت كي كيسوز غيتون سا جيفيزانس في الله بجي في القرآن via Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, via ce hadith, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, si vraiment nous croyons dans Allah, dans le jour du jugement dernier, dhalika khayrun salim meyyea, wa ahsanu ta'wila, c'est la bonne décision. Alors donc, frère en islam, dans sa banzou, nous pouvons trouver, frère en islam, toutes sortes qualités, expressions de chagrin. Alors, Hussein fin mort, Hussein fin être assassiné, ça c'est une petite chose que, comme un Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ta'ala, il dit, dans les quais de chaque musulman, besoin un chagrin quand il pense la mort de Hussein, radiallahu anhu. Ça, c'est une petite chose qui est naturelle, parce qu'il est le petit-fils du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, nous besoin tout le temps dans la limite qui nous a exagéré, ni nous a donné de l'extrême. Alors, frères en Islam et sœurs en Islam, pour exprimer nos comportements, voilà Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà Abu Bakr radiallahu an. Voilà Omar, Uthman et Ali qui est plus supérieur que Hussein radiallahu an. Ali plus supérieur que ce garçon. Uthman plus supérieur que Ali. Abu Bakr plus supérieur que Uthman. Et Abu Bakr, Omar plus supérieur que Uthman et Abu Bakr plus supérieur que Omar. Mais seulement, si vous finissez assassiné, Omar finit assassiné pendant son salat. Uthman finit assassiné pendant qu'il payait le Coran. À tel point que les temps fin couplé bout de bout jusqu'à ce mushaf fin mouillé avec ce disant Moubarak. Ali ibn Abi Talib fin est assassiné devant la porte masjid.
Mais seulement, dans l'époque Sahaba, pas fini, n'a aucune façon pour venir faire mutilation au propre l'écho. Au contraire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam condamne qui nous mutile nous l'écho. Inna Allah kana bikum rahima. Wala taqtulu anfusakum. Inna Allah kana bikum rahima. N'a pas provoqué zot l'amour. Parce qu'Allah est gentil envers zot. Il donne zot la vie. La vie, c'est un privilège de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ Dis-moi, c'est pas réfléchi qui auparavant était inexistant. Allah fin donne lui. En la vie, c'est un privilège. En l'écho, c'est un privilège. En laps de temps pour vivre, c'est un privilège. Allah condamne nous qui nous pas provoque nous propre la mort. C'est pour ça suicide les condamnables. Et n'importe qui façon de mutilation les condamnables. Si ça tient une façon pour exprimer nos chagrins pour quelqu'un. De comme Hussein, alors qui nous t'y besoin faire pour Omar, qui nous t'y besoin faire pour Othman, qui nous t'y besoin faire pour ce papa Ali radiallahu anhu, mais ben sahaba pas faire. Mais qui je viens faire? Je viens faire ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de ce garçon, Ibrahim radiallahu anhu, âgé de 18 mois, et dans les bras de ce papa, il mort. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, seul là-bas, il mouillait à l'homme. Il mouillait. Si tant sur lequel il peut faire mal. Alors, ben, sahaba fin étonné, Ya Rasulallah, tabki wa anta Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Te pleurer à toi, qui toi, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Zod, Al-haynu tadma, mon lisier rempli à l'homme, wal qalbu yahzan, mon lequel il fait mal, wala naqulu illa bima yurdi rabbuna. Mais seulement, mon pas de cause, excepté qu'il chose qui Allah content. Mon contrôle, mon la langue. Mais aujourd'hui, frère en islam, vous trouvez un dimon qui exprime votre chagrin pour quelqu'un qui est inférieur à Omar, inférieur à Ali, inférieur à Othman, qui ban là, ban sahaba, pas fin lamenter dans ce cas, alors pas tiens ban parole qui vient idolâtrie avec Allah. Invocation de Ali, invocation de Hussein, invocation de ban dimon mort, puis invoque aide, puis invoque barakat, depuis un autre apporte Allah, puis tombe dans l'idolâtrie pour exprimer chagrin pour un sahabi. Est-ce que ça c'est l'enseignement de l'islam? Bien sûr, c'est pas ça l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire dans le hadith qui est rapporté par Bukhari, laïsa minna, li pas parmi moi. Qui veut dire li pas parmi moi, frère en islam? Beaucoup du monde, peut-être parfois nous arriver, nous avons un raisonnement, qui te croit, mon lève la main, quand pas bise lève la main, mais Allah pour mettre dans l'enfer de ce côté-là. Beaucoup du monde, quand vous dites ce que vous pouvez faire, la bid'a, ça, frère. Façon on débute la bid'a, ça. Façon on agit la bid'a. Ça, mot qu'on tire en plus la bid'a, ça. Il y a un raisonnement sur l'esprit, fait aller raisonner de façon, parce que ça mola, juste ça mola là. Allah pour le briller 100 ans dans l'enfer. La même réaction finit dans l'époque intabiri. Ibrahim al-Nakhari, rahimahullah ta'ala, il rentre dans Mazid, dans l'Irak. Alors, il trouve un dimon qui peut faire un nafil dans les Fajr. Avant Namaz Faraz commencer, peut faire un nafil. Parce que nous tous connaissons, frère en islam, c'est lui qui fait Namaz, qui a des rakat sunnah. Après, voici tranquille. Soit qui vous fait Tahiyatul Masjid, voici tranquille. Paye un nafil. Alors, il rentre, il dit où est-il? Pas fait un nafil. Pas fait un nafil. Dimon là, sur l'orgueil, il fait une praline en colère. Il dit qu'Allah pour mettre moi dans l'enfer à cause de Namaz, Aster. Allah pour mettre moi dans l'enfer à cause de Namaz. Pareil, comme un dimon dit Allah pour mettre moi dans l'enfer à cause de mon content Ahl al-Bayt. Bien sûr, non? Bien sûr que non, jamais Allah pour mettre nous dans l'enfer à cause de nous faire namaz. Bien sûr que non, jamais Allah pour mettre nous dans l'enfer à cause de nous l'amour pour Ahlul Bayt. Mais qui ça a l'aim la fin répondre? Oui, tu as raison, Allah pas pour mettre toi dans l'enfer à cause de Nafil. Mais Allah pour mettre toi dans l'enfer parce qu'il te contradit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc frère en islam, dîne là les simples, nous devons rester dans la limite Allah, reste dans la limite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, laïsa minna, li pas parmi moi. C'est lui qui tape les mêmes calottes dans ce moment de chagrin. Ou bien chakal djouyoub, ou bien les déchets solaises. Wada'a bida'wal jahiliya, les causes causées qui anti-islam. Les causes causées qui contradictoires à l'islam. Les pas parmi moi. Vous connaissez qui veut dire pas parmi où? Beaucoup de monde le jour de Qiyam Hadith Bukhari. Pour venir, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut donner où rendez-vous, frère en islam? Le jour de Qiyam, si nous moulons iman. Et donne-nous rendez-vous côte Al-Kawthar. Inna a'tayna Al-Kawthar. Sa bassin, qui là-bas est un de l'eau plus blanc qui gilet.
extraordinaire. Là-bas, vous allez boire ça de l'eau qui a jamais ou pas pour gagner soif. Dans le paradis, quand vous boire, c'est juste pour amuser la bouche. Quand vous mangez, c'est juste pour amuser la bouche, pas pour la faim. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis attendre ce ummati. Dans ce moment-là, frère en islam, tout musulman peut aller. Parce que vous sentez, vous voulez dire, il y a une relation avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui fait une reste dans la limite, il peut aller. C'est lui qui fait une pratique en islam, mais seulement guidé par sa passion, il peut aller. C'est lui qui fait une pratique en islam, qui est guidé par son ignorance, il tombe dans toutes sortes qualités d'innovation, il peut aller parce qu'il est musulman malgré lui. Il peut encore sortir de l'islam. Mais seulement quand arrive près avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaban 11, dit toi arrête la même. Toi arrête la même. L'autre continue. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un tracas qui n'arrivait. Pareil comme vous-même, vous n'avez pas de famille, vous trouvez l'eau, veut dire l'eau est pauvre, vous trouvez un doyen, toi arrête là, ou garçon, malin arrête-li, un tel n'arrête-li, ou commence à bouleverser, qui n'arrive-li? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un tracas. Oh, qui fait les autres pierrettes, ça va nous dire, musulman ça, mon ummat ça. Alors, ban 11 dit, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, oh messager d'Allah, pas les autres costés en toi, parce que les autres fines font quelque chose qui partie existe dans la religion. Zone pratique, ben, quelque chose qui n'a pas n'existe dans la religion, n'a pas les autres costés en toi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire, sohkan, sorti ali. Éloigne les autres en moi. Est-ce qu'il frère en islam, avec seulement, ou guidance, ou la chagrin, qui peut guider par ou l'émotion, ou bien l'ignorance qui peut guider dans une pratique qui n'a pas existe, est-ce que vous pouvez bargainer ça avec shafa'at de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous pouvez bargainer ça, ben, si manquement là? Et vous pourrez avec pousser devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous tous à l'esprit frère en islam, nous devons prendre la bonne décision, propose le message, conseille aux familles, conseille aux bonnes familles, et aux bonnes proches, aux bonnes voisins, que l'islam saisisse le Coran, saisisse le sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi, bidi'amatihi tatimu salihat.